Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec la saga des conquérants. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Damned. Bonjour Damned. Salut à toi et salut à tous. Et donc, épisode précédent, de ton côté, tu avais gagné la guerre contre la Bavière, tu avais aussi vassalisé la tâche de Wolkenstein, et t'essayais de convertir ton peuple. Et tu es aussi en guerre, est-ce que tu es encore en guerre contre Boulogne? Oui, c'est ça. Tu es en guerre contre Boulogne pour finir la province de le duché de Frise. Tout à fait. Voilà. Un bon résumé. Et de mon côté, j'ai fait une guerre en Galice. Je me suis pris 5 terres. Je fais une guerre pour, on va dire Tolède, parce que je vais pas prononcer ce nom-là. Je vais me faire mal à la lèvre. si je dis la française, c'est Cutamide, mais je pense que ça va piquer les oreilles de certains. Donc on va dire Tolède. Et ça m'amènera à 66 provinces, l'objectif étant d'avoir 80 provinces. Bon, bah après, ce sera prendre Rennes, c'est sûr. Peut-être une autre guerre contre l'Asturie s'il y a moyen, puis contre Gazoula, j'ai envie de prendre le Rif pour faire ma jonction entre Tlemcen et le reste du pays. Il y a aussi moyen de prendre en Sardaigne hein, quelques provinces, Messine qui a l'air assez faible, puis il y a quoi, il y a Ancône et Romagne qui pourraient être des cibles aussi. Ouais, ça bref, va, j'ai pas mal d'endroits pour m'étendre. T'as de quoi faire. Il y a aussi la Provence éventuellement. Provence, qui est alliée à Padoue. En fait, on était en train de chercher. Provence, alliée au duc de Provence. Et en fait, c'est juste que c'est le comte de Padoue, et vu que son titre le plus élevé, ça vient de son mariage avec la duchesse de Provence. Il est donc duc. Mais il est bien, c'est bien ce coin-ci, et il a quelques armées, quoi. Il a 2000 troupes, en plus des 3000. Ce qui se gère. Mais bon, d'abord, premier objectif, finir. Prendre Tolède, prendre tout le duché, et on verra ce que ça donne après. Tout à fait. Et ben allez, je remets. Lecture, c'est reparti. Hop, je vais arriver à Tolède. Je vais organiser un paquet. Faites-moi un trou dans les murs avec les belles, avec les beaux onagres là. Il suffit de demander. Je peux consommer rien du tout, je peux consommer 29 pièces. 29 pièces. C'est en prison. Ici. Yes. Un peu d'or. Ah, bientôt la fin du siège de Le Warden. Ça avance. Ça avance très vite. Côté, ça avance doucement. Mais Tolède étant une grosse. Quoique. Pas tant que ça. Là, c'est quand même du niveau 3. Mais Madrid est plus. Ah oui, Madrid ça a piqué. Débloquer à la capitale de Boulogne hein, du coup. Le siège n'avancera pas. Ah, le guerre n'avancera pas. Actuellement, ouais, 22%. C'est ça. Ouais. Même avec le... Il te faudrait là... entre 5 et 10 ans, j'ai la flemme de faire le calcul, pour finir ta guerre sans rien faire. Ouais, c'est pour ça. Ça serait un peu long. Ouais, ouais.
même si j'ai Clayorms Viking, hein, mais bon, quand même quoi. On va débarquer à la capitale, ça va, ça ira plus. Moi je finis le siège dans 2 mois, peut-être moins si j'ai des bons events. Genre ça. Ici tout le monde est encore occupé. Dans 41 jours t'as fini ta conversion culturelle. Non ça c'est religieuse. Culturelle, on est pas mal hein, les Suédois. Les Suédois du sud de l'Espagne. Je suis en train de convertir. Et il y a l'Islande. L'Islande, c'est toujours des Nordiques. Ah bah ils oui. Ils ont profité. Hein. Fin du siège. Ok. J'allais taper ses troupes. Après, on va venir ici. On va prendre ingénieur militaire. Tiens. Deviens ingénieur militaire. On va prendre. Hein. Pas mal. Bah écoute. Pas moi qui vis de la guerre, mais bon. C'est pas grave. Culture promue, parfait. Continuons. Par ici. Allez, pour accepter. Ah voilà, interception. Attends, est-ce que c'est Cadix? Cadix est en guerre pour prendre conquête de Ceuta. Ah, sérieux? Ils vont prendre une province. Faible vassaux. Ils veulent juste prendre Ceuta. Après, c'est pas mauvais, hein. Ça permet de débarquer. Mais bon, s'ils avaient pris le duché directement, on s'en serait mieux. Ah bah voilà, on a pris en... Le comte de Boulogne. Ça va accélérer. Voilà, 100%. Hop, et ben voilà, il a perdu. Contre de Hollande est mort, ça fait perdu. Parfait. Soit-il. Donc, les Vikings ont été dissous et j'ai récupéré ceci. Non, ah oui. J'ai récupéré ça. Conversion culturelle suivante. On continue. Hop. Je peux devenir superviseur. Allez. Qu'est-ce que c'est ? Martialité 2, intendance 2, augmentation du contrôle plus 50%. Pas mal. Bon, heureusement ils ne vont pas défaire le siège. Ah bah si, ils veulent défaire le siège, très bien. Qu'ils le fassent, hein. Ils en ont pour 7 mois et dans 3 mois j'ai fini le mien. Donc. 12, on n'a pas quelqu'un de mieux, on a quelqu'un à 14 mais qui nous aime pas. Donc on va éviter, 13, 12, 19. 8. 23, ouais, et 16, on s'en fout. Oh, j'ai trouvé une province à aller prendre. Hein. Si personne ne va la chercher avant que j'aille m'imposer, je vais pouvoir me prendre le nord de la Sardaigne, enfin le reste du nord de la Sardaigne. Oh bah ça te fera toujours ça en plus hein. Vu qu'il est plus
Il a perdu, en fait, il y a eu héritage. J'ai vu que l'autre était coincé en plein milieu de la Tunisie, sans contact avec la mer. Bon, bah. Et après, toi, t'as combien de troupes? 3500, ouais, ce serait une possibilité. Hop, ça me ferait 3 en plus, 4, il me manquerait 10 provinces. Ça se passe comment toi tes guerres? 100%, ok, bah il va gagner sa guerre, il va avoir Cadix. Enfin, il va avoir Ceuta. Mon fils. Ouais, mais j'en ai combien de fils là? C'est bon, parfait, doucement. Un fils. Deux fils. Trois fils. Quatre fils. Quatre fils, deux fils. Alors, toi, 25, on accepte. Et si 53, on va en accepter un. Ouh. Parfait. Oh, nickel, des nouveaux prisonniers. Qui dit nouveaux prisonniers dit plus d'argent, donc... Et plus de prestige, oui, hein. Donc mon prestige, je le booste. L'arrivée en rayonnant, c'est pour bientôt. Et puis on ira embêter les Anglais. J'ai tellement envie d'aller ennuyer les Anglais de m'emparer du cœur de leur royaume. Ça ferait dégueulasse comme empire, mais ce serait m'étonne. Très amusant. Vu comment ils nous ont bien emmerdé dans le début de partie, ce serait que de la pure vengeance. Et en plus, on récupérerait Yorvik. Plus. Ah, petite déco. Ah, je m'y pose. Hop, je me pose ici. Ouais, moi j'essayais un petit peu de faire de l'ordre dans mes... La politique intérieure, toujours, c'est pas simple. Mais bon. Pour ceux qui se posent la question, s'il y en a qui regardent ma vue, oui, je sais que j'ai trop de duchés, mais avant de donner le duché de Frise, j'attends qu'il y ait un mort et que ça éclate, parce que sinon lui il est trop puissant, il a des territoires un peu partout. J'attends un peu, j'attends également la même chose pour l'Usas. J'attends que ça éclate un petit peu aussi à cet endroit là. Mais pas d'inquiétude, je vais faire ce nécessaire. Et voilà, t'es de retour. Ouais, je suis de retour, donc... Voilà. Dès que t'es prêt. Problème pour moi.
Et ben je remets lecture. C'est reparti. Hop. Et je relance l'enregistrement. Il est bien relancé. Ah oui, bah moi je l'avais pas mis en pause, faudra que je découpe. Je suis bête, j'ai mis en pause dans le jeu mais pas l'enregistrement. C'est pas grave. Bon, après t'as fait de la modification, t'as fait des choses donc. Ouais, éventuellement, ouais. Ouais. Il y aura une différence de temps entre les deux épisodes, mais vu que de ton côté il y a des choses à. C'est vrai, à voir, c'est vrai. Ça peut... Oui, allez, on reste comme ça. Hop. 1000 de prestige, yes. Il m'en manque 1000 de plus hein, si je veux faire une envahir un royaume. Prestige qui est obtenable si je crée des titres. Ici par exemple, le duché de Tripolitaine. Hop, et celui qui est ici. Là, c'est toi qui es en charge des deux. Accorder un titre. Non, passez vite, Tripolitaine. Ah voilà, maintenant c'est des petits royaumes aussi. Hop, ensuite... Je peux créer le duché de Léon. Oui, je vais pouvoir faire ça, duché de Léon. Azatru. Votre vassal a créé la branche cadette Forza. D'accord. Pourquoi pas. C'est grand bien lui fasse. Hein. Reste des cotes. Accorder un titre. Le... D'accord. Accorder un titre. Petit royaume de Léon. Et voilà. J'allais repoutrer son armée une fois qu'il sera sûr. Ah non! Qui libère sa capitale s'il en vit. Assassiné. Ouais, et l'autre aussi. Assassiné. C'est pas beaucoup plus glorieux. C'est long d'intégrer des titres, bordel. Oui. Là, il me reste 12 ans pour intégrer le premier que j'ai essayé d'intégrer, qui est Tlemcen. Pareil, hein. Une fois que ce sera fait, ça servira plus à grand chose. Faudra intégrer des royaumes après, donc. Ouais, c'est ça. Mais bon. Ah, encore des prisonniers, j'aime ça. 37 pièces. On a pas beaucoup qu'on peut revendre. Hein. Allez, toi, je vais te lâcher, ça fait un petit moment que t'es en prison. Hop, ici. Les Yorms Vikings ont été appelés par Nazatru Andalou, contre Suleiman ibn Agigali. Ah tiens, bah il a réussi, il a pris une province. Il a eu Ceuta, le mec de Cadix. Ce qui... Regarde, mon nom est propre maintenant. Non.
Ah, c'est un peu mieux, mais putain, il manque que ça traverse tout quand même. Mais c'est mieux. Mais bon, ça part très en bas quand même. Hein. Allez, tu vas y arriver. Oui, c'est ça, il l'a décalé. Oh, je vais bien évidemment. Non, pas longtemps même. Combattant ennemi capturé. Ah ouais, je vais pas te revendre pour 27 alors que t'en vaux 150, mon monsieur. Hein, c'est gentil de proposer. Hein, mais... Attaque le dieu dans la guerre contre la tyrannie. C'est le mec de qui? Almer, c'est le duc de Cutamide, enfin de Tolède. Donc quand je vais, il faudra que je le revende quoi qu'il en soit. Oui, hein, comme personnage. Ici, lui. Oh mais il me déteste, mais t'es con. Ouais, en plus. Ah mais t'améliores sûrement tes relations. Non mais c'est il y a un des comtes qui est plus puissant que le duc. Ça fait deux fois qu'il dépose les ducs et à chaque fois c'en a un autre qui prend et dès qu'il les redépose derrière en boucle et du coup et là celui qui m'a mis là il me déteste quoi et direct il est devenu duc, il a créé une faction contre moi. À l'enflure. Ah ouais, ça commence à me gaver là. Le comte il veut du spectacle. Bah ouais, mais dans ce cas-là, qu'il fasse une guerre pour lui prendre le duché, je sais pas, moi. Oh, le relou. Je crois qu'il va le refaire encore une fois. Putain, mais c'est vraiment de la merde, mon héritier. C'est mieux, lui. Peut-être. Il vient pas passer en électif. Mais bon, c'est le risque. Est-ce que... Ah. Tu l'as fait toi ou pas? Un ralentissement. Ah. De quoi passer... Non, je suis passé en... En succession spéciale, avant de mourir avec mon précédent. Et... Mais normalement, j'ai rattrapé... Garde après bon, ouais. Oui, je reste sur ce système d'élection maintenant. Bon, je pense pas que je puisse repasser sur du... Sur la succession comme avant. Sonore dit qu'il obtient 30 opinions de vous pendant 20 ans. Ouais. Vas-y, je vais le faire. Hop. Un successeur. On peut remettre sur place. Ah, on peut prendre une fille et tout, c'est cool ça. Bon, personne te suit, je pense. Ouais, il faut que ce soit de ta famille. Ouais, c'est ça. Il faut regarder et si je regarde, il faut que j'aille voir dans l'élection. T'as les électeurs pour savoir qui vote et ainsi, tu vois, tu peux, si t'as des hameçons, tu peux forcer le vote. Et tu peux également voir dans les candidats qui est celui qui est le préféré de... Dans la fenêtre de droite, enfin, c'est celui c'est qui sera élu. Celui de droite, c'est celui pour qui ils ont voté? Alors, électeur, t'as la personne et t'as celui pour qui ils votent. Et tu peux changer le vote avec un hameçon. Ah ouais, mais en fait, ils vont tous voter pour quelqu'un que je voulais pas du tout, quoi. Enfin, ils vont pas du tout voter pour... Ouais, bah tu peux essayer aussi d'améliorer les relations avec les plus puissants. Tu vois, t'en as, ils ont... t'as leur puissance de vote. Ah ouais, mais en fait, j'aurais pas dû, parce que je pensais vraiment pas que ça faisait ça, quoi. Bah attends, il y en a un, ce serait carrément le prince de Mercy, quoi. Ah, c'était quoi, c'est... Un Usuk. Ah ouais, mais j'aurais pas du tout dû prendre ça, quoi. Enfin, on va voir, mais à mon avis, dès que je vais faire lecture, ça va se recalculer. En fait, ils veulent que ton héritier, ce soit mon héritier aussi. Parce que celui qui est le troisième, donc Luzuxon, là, c'est mon héritier. Celui pour qui on vote chez moi. Ah ouais. Ouais bah non voilà ça vient de changer quoi. Oh bah non mais j'aurais jamais dû faire ça. Oh là là, ça va me péter ma partie. Au secours. Putain en plus je veux sûrement pas jouer cette vieille merde. Ah ça a rechangé. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Ouais ça va finir par se... Regarde mon nom il est tout propre maintenant. Ouais, le principal héritier n'est pas de votre dynastie. Ah bah non, ça y est, c'est ton bonhomme maintenant, je crois. Oh là là, putain, j'aurais pas dû faire ça. On va y appuyer. Ah, c'est beau, toi.
Hop, et je vais donner Tolède à... Ça change tout le temps. À lui. Ils vont pas se stabiliser. Ah non, mais ça change, mais j'ai moi, des tonnes d'event. Ça finit par se stabiliser. Hein. Ah ouais. On veut ça, non, on veut pas ça, on veut l'autre. Ah, il me faut 300 de prestige et je pourrais lancer envahir un royaume. Bon, l'Aquitaine, non, ils sont copains avec les Français maintenant. L'Angleterre, ouais, je partirai sur l'Angleterre, bien évidemment. Oh là là, quelle grosse erreur d'avoir fait ça quand même. Hop, où est-ce que je lève mes troupes? Je lève en Mercy, donc on va le remettre ici. Voilà. Il me faut donc un peu de prestige. Je peux créer le duché de Majorque. Mais je vais le faire. Accorder un titre. Petit royaume de Majorque. Quel enfer. Ah, ok, il a double titre. Bah, fais-toi plaisir. Des prisonniers ici, on va accepter. Hop, je vais. Alors, si je... il faut que je vérifie que les Yorms Vikings. Ah non, ils sont pas disponibles. J'ai perdu le très blessé. Cornouailles. Par qui sont-ils embauchés? Ouais, non, ça ne m'aide pas. Est-ce que tu es dans... Ah oui, bon. Est-ce que je tente? J'hésite en fait de tenter ou d'attendre les Yorms Vikings pour m'assister, ce qui serait, à mon avis, la bonne décision. Ouais. Et après, bon bah, c'est la prise de l'Angleterre. Si on regarde l'Angleterre, c'est quoi? Ça va. Ils auront toujours le Pays de Galles et les provinces dans le nord de la France. Et en Frise. Et ton... C'est qui? C'est pas un de ta dynastie non plus, ton héritier actuel? Ah non, non, c'est une catastrophe. J'ai fait une grosse connerie de faire ce truc-là. Après, est-ce que tu peux pas rechanger... Non. Bon, je vais voter pour lui de toute façon. Celui pour qui je votais est mort. Hop. J'ai quand même 6000 troupes. Hein. Je suis pas dégueulasse. Hein. Ah ouais, non, c'est clair. Je peux faire du 1 contre 1 contre l'anglais quasiment. Hop, c'est quoi? On va lancer ça. Déclarer la guerre, envahir le royaume. Je vais t'inviter si tu veux venir. Ouais, vas-y. Autre, appelé à la guerre. Allez. Ah ouais, je pensais pas que c'était ça, je pensais qu'en fait les gens pouvaient voter que entre mes enfants quoi et pas toute la dynastie. Mais il me semblait que c'était... Ah oui, c'est ça, c'est un de ta dynastie mais qui sont pas de ta maison, c'est ça. Ça ouais. Des mariages et tout ça. Ça, je pensais pas que c'était possible, du coup je trouve ça un peu aussi, merdique.
Ouais, mais je pensais pas que c'était comme ça, j'ai jamais eu le cas donc. Après, tu peux toujours aussi passer par. Ah bon, bah. Les Anglais sont chez moi. Je vais revenir en arrière. Et ils sont 8000, ça va. Je vais attendre. Ordre, non, je peux pas. Ah, ils ont pas envie de rester, tiens. Ah, je sais pas trop ce qu'ils font. Comment je vais faire des sièges? On va voir ce que ça vaut comme troupe. Hein. Je vais faire des sièges en Lotharingie. On sera égalité. Ah, ça ne plaît pas, ça va être égalité. Ils veulent pas séparer son armée là. T'as des mercenaires, c'est sûr. Il s'est pris, ouais, il s'est pris quelques mercenaires. Ouf, y'a la Lotharingie qui arrive aussi. Oui. Bon, on va avoir une première bataille. Ah, je peux recruter les Yorms. Est-ce qu'il y a... Tiens, toi tu vas aller là. Ça pique, mais avec les Yorms Vikings, ça devrait passer. J'ai des sièges pour le moment, après s'il y a vraiment besoin, tu me dis. Ouais, non, c'est bon. Les Yorms Vikings ont pu sauver la bataille. Sinon, j'aurais fait une marche arrière. Fais gaffe, il y en a 1360 qui arrivent, mais ils ont pas l'air de débarquer. Ouais. Non, non, ils arrêtent pas de faire le tour de la Bretagne. Très bien. Ouais, puis même s'ils débarquent, ils ont pas l'air. Ah, ils sont trop tard. Ils se débarquent, je vais les accueillir. C'est le Lotharingien. Ils font pas des choses dans l'ordre. Hop, voilà. Et j'ai capturé le duc d'Estanglie. Rançonner 150. Allez, je prends. Nice, je vais intercepter les Lotharingiens. Okay, bon. On va aller envahir White. J'ai capturé le mec de Cambrai. Rançonné 75. Allez, je prends. Ça me paie ma guerre, hein, donc. Tout à fait. Oula. Bon, la Provence a disparu. Et est-ce que l'Aquitaine n'aurait pas perdu un bout de son... Si, l'Aquitaine a perdu un morceau de son territoire. Je suppose que c'est le Berry, à cet endroit. Ah non, c'est le Bourbon, c'est juste en dessous. Allez, 5 mois de siège. Par contre, fais gaffe parce que les Anglais sont sur les continents et je vois pas où ils sont partis se cacher. Ça marche. Allez, les gentils catapultes, faites-moi un trou dans les murs. Hop. Apparemment, quand on leur demande, elles le font. Donc. Encore. Si je regarde, ça va le faire. Et toujours pas bon. Ça, et puis boum, je suis sur sa capitale. Ah non, il y a un autre fort avant sa capitale. Mais dans la même province.
toujours pas vu d'anglais d'un côté. Porte-croix. Il fait dodo. Il est parti à Rouen. Hop. J'avance tout doucement. Hein. Et est-ce que t'as pas moyen de repasser ta succession en succession classique à partir. Tu vois la couronne dans ton menu. Non, je peux plus. C'est et changer. Non, je peux plus. Mais. Je peux plus, mais pour le moment, c'est mon héritier qui est repassé devant. Depuis qu'il est passé adulte. Ça se joue à un point près. Hein. Ah, nice. Ça y est, il y a des trous qui arrivent. Ah, ça y est, j'ai pris cher. Ah, ben voilà. Ouais, repli. Ouais, repli, ouais. Général. Ok, bon bah j'ai plus qu'à lever toutes mes armées. Parce que j'ai pas levé toutes mes armées. Hein. On va perdre trop d'or. Mais je pense qu'il va me. Non, mais je pense qu'il va me les stack wipe. Non, même pas. Je vais finir mon siège ici et puis je peux venir en renfort aussi. Bah, il a l'air de revenir vers toi. Ouais, il fait demi-tour. Ouais. Ouais, il va revenir en Bretagne. On va le laisser faire. Et moi, je vais aller foncer. Est-ce qu'il est adulte? Ouais, il est adulte, le roi. Hop. 23%, on va pas. On en est loin. Hop. Et ici, c'est quoi? C'est un siège. Niveau 2. Ça va me prendre 4 mois aussi. Le temps qu'ils fassent le retour à la Bretagne, ça devrait aller. Juste pour voir. Ouch! D'accord, en fait, la Provence, elle a été mangée par le duc de Savoie, de ce que je peux voir. Je sais pas comment, mais la Savoie, elle est fat. C'est l'Italie, non? C'est dans l'Italie, son vassal, t'as le vassal du duché de Savoie et il est fat en tant que vassal. Ah oui, oh putain, oui, il est gros, ouais. Effectivement, pour un vassal, il est costaud. Hop, ici, 3 mois. Il a combien de troupes l'anglais? Il a 7300 troupes. En or, il est en négatif, mais il a quand même des mercenaires. Il y a, il 8000 a moins 19 par mois en or. 8000 anglais en bateau, ça commence à débarquer un peu partout. Ah, moi j'en... ah oui, ils arrivent près de chez toi. Bah, repli, hein. Fais attention. Ouais. Bah, c'est ça. Il joue au ping-pong, tac. Ah non, ils restent, ils partent. J'ai eu la même chose en Bretagne tout à l'heure, hein. Ils savaient pas où aller. Ils ont perdu leur carte et donc. C'est ça. Hop, j'appelle d'autres alliés, tiens. On va avoir des gens très très nombreux. Alors il a 2000 troupes, c'est pas dégueulasse, je m'attendais à moins. Et le suivant. Capitaine Bjorn hein, qui arrive. Et l'autre, il a 1500. Oh, ils sont pas moches. Upland. Il y a Jutland et Upland qui viennent. Enfin, Upland. Hop, et ils ont disparu, les Anglais. Ok. Ils vont, ils viennent. Et quelques prisonniers, toi tu me vaux quoi? 15 pièces. 22 pièces. Alors, est-ce qu'il va décider... Ah non, j'ai trouvé où il était. C'est bon, t'es en sécurité pour le moment. Qu'il a décidé d'aller en Bretagne. Parfait. Je vais aller lui faire coucou. Je reviens, j'ai encore touché. Merde. Hop. Je remets l'enregistrement sur pause de mon côté. Et pas du mien du coup.
Comme ça, je vais en profiter pour continuer à faire 2-3 trucs tranquillement. On est parti. Très bien. Bah, c'est bien. Comme on est amis, il doit voter pour mon héritier. Ça devrait. Ce serait logique en tout cas. Ouais, bah là, ça est mon héritier repassé bien devant quand même. Bon, c'est sauvé alors. C'est sauvé. Ce sera ouais à maîtriser par contre, mais oui, c'est bon, c'est sauvé. Bon, après, mon héritier est pas fantastique au final, hein, clairement. J'ai trouvé une femme qui est plutôt sympa par contre. Bien qu'elle est séductrice, faudra que je fasse gaffe, mais elle est intelligente. Déjà, c'est pas mal. Et le dirigeant lui-même. Bon. Ça. Est-ce qu'on pourrait le marier lui? Ah, je peur. Si. Un gain de prestige, puissance d'alliance. Faisons ça. Alors, connexion, pas connexion. Probablement en train de charger. Très bien. De toute façon, après, niveau durée, on est quasiment arrivé à la fin de l'épisode, ouais. Mais bon. On arrive à la fin, c'est ça. Une petite bataille contre les Anglais, et puis... Et puis voilà. Si tu arrives à te reconnecter. Ouais, ben je sais pas. Là, c'est comme d'habitude, c'est le même écran de chargement. Mais je sais pas si tu vois, ils mettent pas le pourcentage de chargement auquel je suis. Pour moi, t'es à 0% depuis tout à l'heure. Ah. Je vais t'éjecter, recommence. En espérant que t'arrives à voir le fait que je t'ai éjecté. Ben, pour le moment, je le vois pas. Compliqué hein cette connexion, compliqué. Ouais, et là je peux rien. Si le jeu se ferme, bon bah ça va être chiant mais. Ouais. Parce que là je peux rien faire. Là je suis bloqué sur l'écran et il comprend rien quoi, donc. Peut-être un moment comprendra. Ah, tiens, j'ai été éjecté, mais le temps qu'il capte. C'est ça. J'ai personne à ma cour. J'ai que les membres de ma famille, c'est tout. En gros, c'est ça. Dingue ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il va pas capter. Donc est-ce qu'on finirait pas l'épisode ici? Je pense qu'on va faire ça. Vas-y. On lance l'enregistrement. On va faire ça. Et puis je forcerai la fermeture du jeu quoi. Oui. Hop. Donc de mon côté, je reprends l'épisode et vu que le jeu a décidé qu'il voudrait pas rejoindre, là ça fait 2-3 bonnes minutes qu'on est sur cet écran que j'ai été éjecté hein, pour le rejoindre, mais que le jeu veut pas comprendre. Donc, ben vous n'aurez pas la suite de la bataille contre les Anglais dans cet épisode. Ça vous laissera un peu de suspense. Pour la prochaine fois. On va donc s'arrêter ici. De mon côté, ce sera sur un très bel écran de chargement. Et du côté de la main, vous aurez la carte.
Exactement ça. Allez, je la dézoome encore un peu plus pour qu'on voit. Voilà. Sachez que vous aimez bien. Bientôt. Ça a bien changé. On va prendre la revanche des envahisseurs vikings en Angleterre. On va les venger. Le Danelaw, il a bien, bien pas l'allure, mais on va essayer de leur booster un peu en l'intégrant. Voilà. Et de ton côté, je sais pas ce qui se passe. Tu gères ton élection de ton côté, c'est ça? Ouais, pour le moment, l'élection, ça va. Ça se passe un peu mieux. Bon, même si mon fils est pas extra, ça devrait quand même être lui qui... qui hérite, donc à suivre. C'est le plus important. Oui, c'est ça. Donc, on espère que cet épisode vous a plu, hein, comme d'habitude. Vous connaissez ce qu'il faut faire. Commentaire, pouce bleu, abonnement pour pas manquer la suite. Tout à fait. Est-ce que tu as un mot pour finir cet épisode? Ouais, mort aux Anglais. Mort aux Anglais. Allez. Sur ce, on se laisse. Et on se retrouve dès mardi prochain. A plus. C'est ça, à plus les gens.